commencer, veuillez s'il vous plaît de dire votre numéro d'équipe à la caméra. C25. Merci. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer en temps restant à l'aide d'un carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai un décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de la présentation. Une période de questions durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez à aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, c'est-à-dire entre les bureaux. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant au juge à se présenter où vous pourriez par la suite débuter votre présentation. Pour ma part, excusez-moi les juges. Je t'ai proche, c'est moi. Pas d'avance, soit devenir juge. Bonjour monsieur, en fait, mon Francis Denis, je suis directeur de compte chez Desjardins Entreprises de Montréal. OK, bonjour à nous. Samuel Saint-Yves, je suis directeur des études de cycle supérieur en sciences comptables à l'École Campus de Lévis, chez mon professeur en sciences comptables. Bonjour, Marie-Claire Lapointe, c'est moi qui ai rédigé le POP. Je suis également analyste financière chez Cascade, puis j'ai été présidente des Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition à l'université dans le domaine académique. Puis cette année, je suis présidente de l'OMIL financier, qui est une autre compétition. Bonjour, monsieur, bienvenue. Je m'appelle Cassandra Denis, je suis conférence qualité chez Cobra Real. Bonjour, Emmanuel Boutin, je suis comptable spécialisée en consolidation à la Société de la Cour fédérée à Montréal. Super. Il n'y a pas des cartons pour dire qu'on est comme à 5 ou 3 minutes? Oui. Okay, c'est super. Okay, oui. On y va. Super. Mais écoutez, je m'appelle Antoine, voici mon collègue Owen, puis voici mon collègue Alec. En fond, c'est super simple. On a fait votre cas qui était pas mal difficile, je vais vous le dire directement. Puis dans le fond, on va commencer comme suit. Il y a un autre jour qui commence comme ça. On va commencer avec les avantages et les inconvénients. Ensuite, on va parler du prix d'achat recommandé par rapport à ça, évidemment. Une option de financement. Puis après, finalement, on va finir avec les petites transactions comptables, de comment on a fait les écritures comptables par rapport à ça. Alors, je vais essayer la parole à mon collègue. Ouais. Bon, ben, bonjour, tout d'abord, ben, dans l'analyse du cas, qu'on a trouvé comme fort, c'est un gain de temps parce qu'avec l'imprimante 3D, on pouvait fabriquer un écran en moins de quelques heures, alors que sans l'imprimante, ça prenait peut-être plusieurs jours, plus de semaines. En fait, on a aussi vu qu'il allait peut-être avoir une hausse de du nombre de clients, donc environ 45% par année. Et ensuite, il y a aussi une réduction des coûts qui pourrait varier en 30 à 55%. Donc, sans l'imprimante 3D, le coût coûterait 75$ par pied carré. Mais si on prend l'imprimante 3D, le coût va être de 34$ par pied carré. Il y a donc une économie de 41$ en des deux. Ensuite, il y a un faible coût et on respecte l'environnement. Puis, il y a aussi un avantage d'avoir la maison sur design. On personnalise la maison selon les clients. Puis, finalement, ça va faire des augmentations de vente. Excuse-moi, je juste rajoute une chose. Ce que mon collègue vient de dire, c'est grosso modo, ce qu'on comprend, c'est que ces forces-là ont un impact au niveau de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie de la future entreprise. C'est vraiment là-dessus qu'on est basé. Puis, c'est là-dessus qu'on va développer un petit peu plus nos idées et nos propositions, évidemment. Pour les faiblesses, on a vu que pour construire la maison, il faut arrêter l'imprimante pendant plusieurs, le temps que la plomberie, l'électricité et tout, les affaires nécessaires à la maison soient construites. Puis donc, si mettons la maison doit avoir plusieurs étages, on va devoir l'arrêter à 2-3 reprises. Ensuite, une autre faiblesse, c'est la mauvaise finition des murs extérieurs. Ça veut dire que les murs ne vont pas être lisses comme il est supposé être à l'étude. Et donc, l'entreprise va pouvoir charger les coûts pour faire en sorte de lisser les murs.
priorité en risque de technologie, car on n'est pas sûr de la technologie va marcher au Canada. Évidemment, c'est sûr que en fait, le risque technologique, c'est en fait c'est un nouveau produit qui arrive au Canada. On ne sait pas si c'est bon, si ça vient d'un endroit, en fait, d'un fournisseur inconnu, en fait. Il y a un risque à prendre. Puis pas seulement ça, interruption répétitive lors des constructions, c'est le premier qu'on a mis. Pourquoi? Parce que, en fait, la propriétaire de l'entreprise qui a déjà dit qu'elle veut un gain de temps, elle veut que ça soit rapide. Puis, justement, malheureusement, en fait, une des faiblesses, c'est que ça peut, oui, ça peut avoir un impact au niveau du temps pour la construction, mais à répétition, il faut arrêter et faire des changements. Donc, ça peut avoir un impact au niveau, en fait, concernant le temps. Exactement. En fait, on a trouvé quelques opportunités. Puisque c'est une nouvelle machine, une imprimante 3D, qui est nouvelle au Canada, l'entreprise pourra négocier le prix qui va varier entre 750 000 et 1 million 500. Du coup, on pense que c'est une opportunité, car puisque c'est une des premières machines, on peut négocier et l'avoir moins cher. En plus, comme j'ai dit, c'est aussi une nouvelle apparition au pays, première année de une des premières machines. Puis la continuation, les croissances de la machine, en fait, va permettre d'augmenter la croissance de demande pour les maisons. En fait, il y a, comme menace, il y a la météo, parce qu'on ne sait pas si, on ne sait pas si la matière première, la maison, va pouvoir résister aux durs hivers du Canada. Puis ça peut être une menace parce que la maison pourrait s'effondrer n'importe quand. Dans le fond, nous avons calculé pour le coût d'acquisition, comme j'ai dit tantôt. C'est entre 750 000 et 1 500 000. Quand on prend le prix moyen, ça fait 1 125 000 $. Puis, puisque l'entreprise peut négocier l'imprimante 3D, on a décidé qu'elle pourrait l'acheter à 750 000 $. Puis, si on rajoute les frais de transport de 20 000 $, ça va faire un coût d'acquisition pour l'imprimante 3D de 770 000 $. Et en fait, pour les détails des résultats, pour la première année des calculs qu'on a fait, nous a donné une perte de bénéfice net, donc une perte nette, en fait, de 112 460 000. Dans le sens qu'on a fait, et on a, pour trouver le stock de fin, on a fait, pour trouver l'achat, en fait, on a fait un calcul inverse du coût des marchandises vendues. En fait, quand on a le coût de la marchandise vendue, si on a détient le stade de fin, on peut trouver le coût des marchandises destinées à la vente. Puis finalement, on a ensuite soustrait avec le stock de début, puis on a trouvé le nombre d'achats. Puis les ventes, on a multiplié 50 maisons par année à. 50 maisons, puis dans le fond, pour les ventes, on a multiplié par le nombre de maisons fabriquées, la grande maison. Est-ce que tu parles pour la première année? Oui, la première année. Ok, c'est ça, parce que j'ai juste mis en contexte un peu, là, si la première année, il y a 50 maisons, en fait, la propriétaire prévoit, en fait, elle dit qu'initialement, elle peut faire des constructions de 50 maisons, puis ça peut augmenter, je pense, c'est quoi, de 10%? Et après, pour la première année, jusqu'à 3 ans, après le résultat, c'est du 5%. C'est pour ça que 2018, on s'est dit, regarde, elle dit ça, 50 maisons, ça va être 2018. 2019, ça va être une autre affaire, ça va être du 10% supplémentaire. Donc, ça va être 55 maisons environ, à peu près. Et puis après, l'année d'après, ça va être 57 maisons. Alors, pour l'année 2019, quand on rajoute l'imprimante, on a calculé que l'entreprise pourrait faire 9 315 $ de vente. Puis, on a aussi rajouté les amortissements de l'imprimante. Donc, il n'y avait aucune valeur résiduelle. Donc, sur 10 ans, ça marchait. Donc, la moitié, un dixième de 750 000 et 775 000. Puis, ça nous permettait d'avoir un bénéfice net de 117 millions de $. 117 000 $, excusez-moi. Ensuite, les salaires, on était calculés avec tous les producteurs et le montage, puis pour créer mais
l'installation. C'est un peu normal que les salaires sont plus élevés en 2019 parce que je veux pas, même si c'est une bonne machine qui peut faire des super, qui peut avoir un super impact par rapport au niveau des ventes, ça entraîne énormément de charges, notamment au niveau des salaires. Ça demande plus de personnel, ça demande des professionnels, ça demande de. Faut entretenir la machine chaque année. Ça disait justement que juste pour les frais d'entretien, c'est du 50 000 par année. T'sais, c'est quand même assez élevé. Toutes les régularisations, en fait, je rends la parole à mon ami. Oui, oui. Dans le fond, c'est super simple. Normalement, il y a des parenthèses, je vais expliquer ce qui s'est passé. Manque de temps, j'ai puis une petite crampe à la main, j'ai pas eu le temps. Mais je vais pas vous faire, OK? Service rendu par assistance, c'est super simple. C'est qu'ils ont reçu un 50 000 à l'avance, tout simplement. Puis bon, voilà, j'ai rajouté dans le compte service rendu. Ils l'ont reçu le 28 décembre 2018. Exactement. Exactement. En janvier 2019, c'est pour ça qu'on a fait l'équipe. Dans le fond, ma taille roulant, je me suis un peu closé la tête, je me suis dit, OK, regarde, hier soir, je pense que c'est un moteur à 5000 qui va augmenter la performance. J'aurais pu peut-être diviser les immobilisations là-dedans, mais en même temps, je me suis dit, non, regarde, ça augmente la capacité de l'immobilisation. Donc, j'ai juste rajouté dans le matériel roulant camion, TPS, les véhicules à recevoir évidemment là-dessus, il y a qu'en caisse. L'entretien et réparation, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? C'est que, si je me souviens bien, dans le fond, c'est il y a eu un écoulement d'eau qui a affecté évidemment le bâtiment. Sans même des charges, on ne peut pas le comptabiliser, en fait, le capitaliser dans une immobilisation. Donc, c'est une charge, ça affecte le bâtiment évidemment. Puis, cette journée-là, évidemment, ça affecte les stocks de marchandises qu'on avait de 25 000. Donc, là, il y a plus ou moins value. Puis, le stock de marchandises doit diminuer évidemment. Puis bon, on est allé avec un peu avec les chiffres qu'on a eu. Stock de marchandises au début, on a eu 300 000 à peu près. Donc c'était à peu près au début de 2018. Malheureusement, avec ce qui s'est passé avec le stock de marchandises de 25 000, ça a affecté. On est rendu à 275 000 à la fin. Puis évidemment, entretien et réparation d'entrepôt, on change le toit. S'ils auraient précisé, je ne sais pas, que ça aurait augmenté l'efficacité ou quoi que ce soit, j'avais fait de quoi, ça me le dit pas, entretien et réparation, merci, bonsoir. Puis évidemment, l'encaisse assurance, ça touche en fait plus ou moins. En fait, c'est la perte de stock, la perte de valeur de comptable de stock. Ce qui s'est passé, c'est que l'assurance a recouvert ça, pas en stock, mais en argent. Donc moi, ce que j'ai manqué, c'est encaisse 25 000, puis assurance 25 000, tout simplement. Puis c'est pas mal ça. Ben, y a-t-il autre chose à dire, les gars? Oui, le coût de financement. Oui, mon Dieu, il est autant disparu. Il ne disait pas de nos là. Donc, parfait. Pour le coût de financement, on a opté pour. L'option numéro 2, qui est 900 000 en capital action de 10 %. Pourquoi? Eh bien, c'est bien simple. Puisque Mme Gilbert ne fait pas un super grand bénéfice net. Eh bien, j'ai opté pour la sauver personnellement. Oui, je sais qu'elle a de l'argent personnel d'environ 600 000 mais on va pouvoir jouer. Je vais pouvoir vous proposer une autre proposition par la suite. Et pour revenir à la proposition de Leroy, oui, elle a 177 000 de bénéfice net, mais si elle investit dans la compagnie, son argent personnel, elle risque, puisque c'est un risque d'innovation à nouveau sur le marché canadien, elle risque de perdre aussi son argent. Donc, pour pas qu'elle perde son argent personnel, qu'elle peut aussi investir afin de faire le bénéfice à part de la compagnie, j'ai donc opté pour donner un capital action à l'actionnaire de 10%. Sur le bénéfice au courant des années à venir. Il y a le choix de les vendre ou pas, cependant. Et puis, formons l'option numéro 2. On a donc choisi en équipe de prendre le 200 000 pour l'investissement dans les actions environnementales qui pouvant donner un bénéfice d'environ 20 % par année. On a décidé de changer cette donne-là, puis de mettre le 200 000
dans 200 000 $ Il y avait plusieurs options par rapport à ça. La première option, c'était que la propriétaire mettait 100 000 cash direct. C'était un taux de placement de 1,5 par année. C'est quand même assez stable. C'est pas si pire. Puis, sinon, il y avait aussi dans la même option, évidemment, elle prend le 100 000, elle prend 200 000, donc on a 400 000 pour 1,5% de placement. Elle met 200 000 pour un placement un petit peu plus risqué. C'est du 20% par année, mais comme on l'a dit tantôt, elle, c'est un gain de temps, elle veut tout de suite. Puis, le risque par rapport à ça, c'est qu'elle peut perdre la totalité. On ne sait pas, même si le patrimoine est séparé, même si on sait que le patrimoine d'entreprise est séparé individuellement, on pense que le risque est trop élevé pour faire ça. L'option 2, évidemment, au début, c'était quoi? C'était par rapport avec M. Garneau ou quoi que par rapport à ça. Il est prêt à lui proposer, évidemment, 900 000 avec intérêt, évidemment. Puis pas seulement ça, c'est que je pense que c'est quoi? On fait des calculs par rapport à ça. C'était, je pense que c'était 18% qui veut le risque. Après deux ans, on a fait à peu près deux ans, à peu près au niveau des revenus, je pense, ou de quoi par rapport à ça, oui, elle pouvait rembourser la totalité, sauf que les royalties par rapport à ça, 3%, au niveau du bénéfice net, je ne pense pas que ça vaut vraiment la peine par rapport à ça, si ça va être bien par rapport. Ce que tu voulais dire, en fait, c'était quoi, c'était le 900 000, qu'est-ce que tu voulais par rapport à ça, c'était-tu le 900 000, en fait, où tu voulais t'emmener par rapport au prêt? Oui, mais en fait, le prêt, ça va pouvoir lui servir d'investir, d'acheter le coût d'acquisition pour pour la nouvelle machinerie, qui est, vu qu'on a heurté pour un coût d'acquisition de 770 000, le 900 000, ça lui donnerait une marge en masse d'argent pour. Dans le fond, les avantages et les inconvénients, on vous a fait une liste par rapport à ça, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, vraiment on est passé par là. Évidemment, on a un peu parlé que le plus important pour le financement, c'était le 900 000 avec le 10% d'action ordinaire. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé la conclusion par rapport aux données comptables et les écritures comptables. Période de questions. En fait, je pense qu'on s'est un peu trompé, on s'est un peu mal exprimé. On ne voulait pas dire que le prix d'achat pour la machine, c'était du 1 million. On s'est dit que plus qu'elle peut, elle a même l'opportunité de négocier le prix, okay, le plus bas possible, on veut qu'il soit à 750 000, pas plus que ça. OK. Puis là, on va chercher 900 000, on fait quoi avec pourquoi on a besoin de 150 000 de plus? Alors, les 150 000 de plus, si je me souviens bien, je ne pourrais même pas répondre à la question, je suis vraiment désolé. OK. Ouais. OK. Puis, Elle a la possibilité de dire à quelle date elle va déclarer les émissions d'actions. Lui, ça va être des émissions d'actions ordinaires, donc lui, il n'y aura pas de dividendes cumulatifs. Ça va être uniquement ça va être le reste qui ne sera pas cumulatif. Je me suis dit, OK, le toit, il y a un problème, mais le toit, malheureusement, tu sais, ça amène un défaut, en fait, un défaut de fabrication, ou en fait,
ça me semble de quoi qui est un peu négatif par rapport au bâtiment. Ça augmente pas la valeur, ça ne fait rien par rapport à ça. Je constate comme une charge. Sauf que, en fait, pour le moteur, j'avais deux choix. En fait, sauf que j'ai pu séparer le camion, le moteur, tu sais, pour faire des émissions séparées. Mais comme c'est un peu bizarre, on n'avait pas les dates d'acquisition, on ne pouvait pas trop faire ça par rapport à ça. Puis le moteur, en fait, ça augmente la durée de vie, ça va augmenter, ça va aider le camion. Donc je me suis dit, regarde, c'est pas une charge, ça va être une immobilisation tout simplement. Parfait, merci. Moi, j'avais une question. Par rapport au projet d'investissement versus fabriquer des maisons traditionnelles, est-ce que vous avez quantifié un peu qu'est-ce que je serais capable d'aller chercher avec mon projet d'investissement? Parce qu'on avait présenté un état des résultats qui mixe les deux. Mais si je parle strictement de mon projet d'investissement, est-ce qu'il est rentable en tant que tel? Année 0, année 1 et année 1 jusqu'à 10. Donc, on a trois volets à ma question. Désolé. Ah non, mais. C'est comme question, mais bon. OK, donc si je comprends bien, dans le fond, ce que vous me posez comme question, c'est de savoir c'est quoi la différence entre le plan A qui était initial et le plan B. En fait, là, c'est est-ce que mon projet est rentable? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille là-dedans? C'est quoi la rentabilité de mon projet? OK. Comme on peut le voir par rapport au site qu'on vous a montré tout à l'heure, la manette, ouais, c'est ça. Dans le fond, on a remarqué qu'en 2018, évidemment, si c'était de normal, ça n'allait pas super bien. Ouais, c'est ça, 2018, ça n'a pas super bien par rapport à ça. Cependant, on a marqué une chose, c'est que pour le plan, l'idée de projet secondaire, ça coûte beaucoup moins cher à faire. Pas seulement ça, c'est en plus, même si le taux de charge des salaires va augmenter, ça reste que ça peut augmenter de 8% au niveau des ventes, ce qui est très intéressant pour la propriété de l'entreprise. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est par rapport à ça. Puis, on a vu que chaque année, veut pas, ça va être une augmentation quand même assez considérable au niveau des ventes. Puis, on économise aussi 44$ par pied carré pour la production. Donc, Dans le cas, il est mentionné qu'il est possible que l'entreprise reçoive une subvention gouvernementale pour l'achat du nouvel équipement. Ce serait quoi le prix montable de cette subvention? Elle veut savoir, dans le fond, si c'est vrai. Ils ont une possibilité de recevoir, je pense, à peu près 25 000 ou 45 000, c'est une subvention du gouvernement. Elle veut savoir au niveau comptable quand on écrit ça. Donc, ça va être enquête, débit, puis ton et comment, puis ton crédit. Fin de période de questions. Merci.